Hey tout le monde, c'est Delusia et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Zetsubou Noshima sur Black Ops 3. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment allumer le courant. Donc ça peut vous paraître banal, mais c'est pas la même façon d'allumer le courant que les autres maps. Donc je vais vous faire un petit tuto pour ça et pour toutes les autres choses qu'il y a à construire et à savoir dans cette map. Donc pour ce faire, il vous faut ramasser le seau dans le spawn, donc il peut être où est-ce que je viens de ramasser, ici, donc de toute façon vous êtes obligé de le voir, c'est un petit seau bleu. Donc ensuite je vous montre en partant du spawn comment procéder. Donc vous montez jusqu'au labo 1, vous faites le tour de ce labo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu une nouvelle arme qui ont été j'ai eu une nouvelle arme qui a été ajoutée aux zombies, donc le MX Garand. Donc vous ramassez de l'eau irradiée derrière le labo 1. Donc là vous voyez, donc de toute façon vous pouvez pas le louper. Donc vous ramassez de l'eau, vous montez dans le labo 1. Hop, vous vous rendez ici et vous versez le seau d'eau en appuyant sur X dans le récipient. Donc ensuite vous pouvez partir jusqu'au labo 2. Donc un truc que je vous conseille, c'est d'ouvrir n'importe toutes les portes pour pouvoir faire les deux labos, parce que le temps est limité. Donc en fait, quand vous allumez le courant, c'est permanent et non continu. Enfin je sais pas, enfin vous m'avez compris. Donc ensuite vous rendez au labo 2. Derrière le labo 2, vous ramassez de l'eau irradiée dans le labo 2. Je me demande si la division... Vous faites la même chose que pour le labo 1, donc vous montez dans le labo 2. Ou si c'était un accident. Vous versez dans le petit récipient qui se trouve ici. Donc ensuite, surtout dépêchez-vous parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de temps. Nous devrions tenter de trouver l'interrupteur général. Donc là, va falloir faire très attention. Donc là vous voyez que les deux voyants sont verts, donc s'il y en a un des deux qui est rouge, recommencez, enfin remettez de l'eau. Donc là quand vous allez ouvrir la porte du bunker, il va y avoir des zombies qui sortent et un géant, enfin un géant, un boss quoi. Hop, donc tuez les zombies, laissez-en qu'un. Donc surtout tuez pas celui que vous avez... laissé. Parce que sinon la manche recommencera. Donc là, juste essayer de tuer le géant. Voilà, j'ai pas une arme adéquate pour le tuer, mais bon. Je vais faire avec. Il suffit tout simplement de tirer sur les trois boules orange. Donc là, quand vous voyez que quand on va dans la fumée, donc là voilà pourquoi. Donc là il a bouffé mes deux zombies pour récupérer ses boules à chaque fois, donc faut se dépêcher de... Ah je galère un peu là avec les mitérans. Voilà. Donc ensuite vous rentrez dans le bunker. Je vais tirer mes trois balles sinon ça va pas aller. Vous ouvrez la porte ici de gauche, vous avancez. Donc là vous allez voir qu'il y a un voyant qui clignote au rouge, donc vous lancez sous l'eau comme je le fais sur la vidéo. Vous restez appuyé sur X ici pour enlever la toile comme ceci. Donc là la porte va se refermer, vous allez être coincé sous l'eau, donc tous les zombies vont apparaître. Donc là ma manche a recommencé, mais ça a rien à voir, vous allez avoir des zombies qui apparaissent. Donc vous avez des poches d'air là comme ça, voilà, vous pouvez les utiliser pour respirer, mais c'est mieux de prendre... C'est mieux d'aller dans les... dans les poches d'air qu'il y a de prévu. Donc là je galère un petit peu. Alors, je vous l'avais dit au début de la vidéo, c'est pas fréquent d'ouvrir... c'est même je crois là, une des premières fois qu'on ouvre le courant comme ça sur dans un zombie. Donc là les turbines vont se mettre en route. Donc la porte va s'ouvrir et vous pourrez passer comme ceci. Donc là les quatre voyants sont verts et vous pourrez rallumer le courant et donc acheter masto, acheter les atouts qu'il vous faut. Hop,
cas j'ai un petit bug de ma manette. Ouais c'est bon. Donc là ensuite vous pouvez ressortir. Donc là vous allez voir que le masto il est allumé, donc vous pouvez le prendre. Et là le courant est allumé permanent. Donc voilà, je vous laisse. En plus je suis mort comme une couille. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos pour le bouclier, le KT4, le masque à gaz, ainsi que beaucoup d'autres choses. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut.